tuto. Aujourd'hui, on va confectionner ce petit panier qui peut servir dans une chambre d'enfant. Et pour le réaliser, vous aurez besoin de morceaux de 24 cm sur 12, de morceaux de 14 cm sur 12, de bandes de 24 cm sur 5, de morceaux de 14 cm sur 24, de bandes de 5 cm sur 14, deux morceaux de 15 cm sur 14, deux morceaux de 24 cm sur 15, deux bandes de 8 cm sur 30 et du thermocollant. Ici, j'ai pris de la viseline H630. On va commencer par assembler les parties extérieures. On assemble tous les morceaux qui font 12 cm de haut avec les bandes qui font 5 cm de large. On place endroit contre endroit. On épingle et on va piquer sur toute la longueur. On ouvre ensuite toutes les coutures. On pose le thermocollant sur les parties qu'on a assemblées ainsi que sur le morceau extérieur de 24 cm sur 14. Vous avez le fond, les parties dos et devant et les côtés. Un côté à la fois, on place endroit contre endroit. On assemble sur la longueur en commençant à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. On voit bien les centimètres non piqués. On va replier cette partie, placer la partie suivante endroit contre endroit et on pique en commençant à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. Toutes les parties sont assemblées. On va maintenant piquer sur la hauteur pour former le panier. Alors, on épingle et on prépare l'assemblage de tous les côtés. Et on va commencer à piquer à 1 cm jusqu'en haut. On va maintenant dégarnir les angles. Maintenant les deux bandes de 8 cm sur 30 et on va y poser le thermocollant. On coupe dans le thermocollant deux bandes de 30 cm sur 3. On replie la bande de tissu en deux et on fait un repli d'un cm de chaque côté. On glisse ensuite la bande de thermocollant sous le repli. On replie le tissu en deux et on va piquer sur toute la longueur. Et on va placer nos petites poignées sur les côtés. On fait une piqûre à 3 mm du bord pour les maintenir. On assemble maintenant les parties doublures.
On assemble de la même manière que les parties extérieures, donc on pique sur la longueur en commençant à piquer à 1 cm et en arrêtant à 1 cm. La partie doublure est maintenant assemblée. On va glisser les deux parties l'une dans l'autre, endroit contre endroit. On ajuste et on épingle tout le tour. Ensuite, on assemble. Il faut laisser une ouverture de 8 cm sur un côté pour retourner et bien faire un point d'arrêt au début et à la fin. Et maintenant, on retourne. Il nous reste à refermer l'ouverture et on va faire une surpiqûre tout autour. Et une fois cette dernière piqûre faite, votre panier est terminé. À vos machines!